manquerait pas ça, même s'il y avait un ouragan. Ça fait plaisir. Au boulot, alors. J'étais en train de préparer ma machine pour mon grand voyage dans l'espace intersidéral. Tu te rends compte, Nebula? J'attends ce moment depuis ma chute sur cette planète. Des millions d'années, naufragés ici. Les pieds sur la Terre, la tête dans les étoiles. Enfin, je peux retourner là-haut et espérer découvrir d'où je viens. Tu sais, j'ai dû me cogner la tête. Cogner la tête en tombant sur Terre parce que tu n'as plus de souvenirs d'avant ta chute, je sais. Tu parles. D'ailleurs, avec ma machine, j'ai enfin réussi à capter un signal de l'espace. Vraiment? Tu entends ce signal? Il est trop faible, mais il est là. C'est le signal de la Radio Galaxie. Radio Galaxie? Je ne connais pas cette station. La musique est bonne. Mais ce n'est pas une station terrestre, c'est un corps céleste. Aide-moi plutôt à amplifier le signal. Mais comment? Bouge ta lampe pour me guider sur la bonne fréquence. Quand le signal sera au plus clair, ne bouge plus. Stop! Vous êtes sur les ondes de DJ Galaxy. Tu entends sa voix? C'est le DJ Galaxy. Le DJ Galaxy? Oui. Ma machine va me transporter dans l'espace intersidéral en suivant son signal radio. Et il devrait être au bout. Il entend tout, il sait tout. Pour quelqu'un qui cherche ses origines, c'est un bon point de départ, non? Mais oui. Ah, mais j'oubliais presque. Tu as porté ce que je t'ai demandé? Le cristal courbé à réverbération photonique avec degré absolu de réfraction inversée. Tu veux dire le miroir? Oui, oui, enfin, oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tu es mon étoile filante à musique préférée. Ah! Mais techniquement, les étoiles filantes ne sont pas vraiment des étoiles. Je ne suis qu'un caillou venant de l'espace. Penses-tu que quelqu'un a fait un vœu en te voyant dans le ciel? Nebula, tu ne crois tout de même pas à ces bêtises. Et pourquoi pas? Moi, mon vœu le plus cher est que tu m'amènes avec toi là-haut dans l'espace intersidéral. Tu vois ce bout de croissant de lune qui jaillit de l'eau là-bas? C'est une surprise pour toi. Ce ne serait pas de tes blagues. Fais-moi confiance. Maintenant, place le cristal dans le socle. Je ne pouvais pas partir sans toi. J'ai construit une nacelle pour te garder en sécurité. Tu es sérieux? Alors, on y va? Tout est prêt. Voyons ce que cette cacaillerie a dans le ventre. La machine me transformera en poussière d'étoiles. Et je formerai une barrière de protection autour de toi. Nebula, n'aie pas peur. Mais qui a peur? C'est bon. Arrive à ma station. Mes astres, messieurs, culte spécial. Salut les vacanciers, bienvenue sur les ondes de DJ Galaxy, la station de l'univers. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Bonjour, nous venons de la Terre. La Terre? Petite boule bleue peuplée d'étranges êtres parlant recouverts de peau. Dis donc, toi, t'as rien à t'as rien? Non, seulement un caillou tombé sur la Terre. Sensationnel! Il ne se souvient de rien avant la collision. Pouvez-vous nous aider? Quête d'origine! Vous avez choisi votre temps pour faire votre voyage de retrouvailles! L'univers est en panique! Un trou noir rôde! N'avez-vous pas entendu? Un véritable désastre! Désastre? Faut regarder la météo avant de partir, jeune homme! Ma parole! C'est terrible!
Que peut-on faire? Quelle est mignonne! Y'a rien à faire avec un trou noir. Ça ne se résout pas. Mais j'y pense. Si tu es tombé sur la Terre, tu étais... Comment est-il? Une étoile filante? Oui, bon, pas vraiment une étoile. Oui, oui, je sais. Un précieux poétique. Enfin, la créature qui peuple l'univers d'étoiles filantes se nomme... Le Vide du Bouvier. Il te rassure à me rencontrer dans ton enfance astéroïdale. Mais comment le rejoindre? Fais un vœu. Je blague. Facile. Je vous y transmets en ondes radio Galaxy. Tiens-toi bien, Nebula. Nous repartons. Merci, DJ Galaxy. Pas de quoi. Allez hop. Les travers de l'univers sont de travers. Ce damné corps céleste aspire mon décor alors qu'impuissant, gère. Quelle perte. Excusez-nous. Monsieur Bouvier, le DJ Galaxy doit le faire. Voyez-vous là, les beaux dessins qui se déforment? Ces beaux espaces que je gère. Je n'ai même pas assez de matière première. Que faire? Continuez, je persévère. Monsieur Bouvier. Mon ami est une étoile filante. Le reconnaissez-vous? Nebula, assez avec ces histoires d'étoiles. Mais oui, je reconnais ta composition nucléaire. De ta forme granulaire, je t'ai forgé en étoile filante et donné propulsion dans l'univers. Je suis donc d'ici? Un simple arrêt à ton itinéraire. Tu es tombé dans mes filets en provenance d'Andromède, d'où tu es originaire. Andromède? Ce secteur est le plus touché par le trou noir qui s'y désaltère. C'est un vilain. Il avale même la lumière. Mais je peux vous y propulser si vous vous sentez téméraire. Nous ne pouvons pas reculer maintenant. Allons-y alors, monsieur Bouvier. Et n'oubliez guère. Les étoiles filantes sont fabriquées avec les particules de l'univers. De cette matière, tout est possible. C'est seulement chargé d'un peu d'imaginaire. C'est pas une étoile, hein?
Mais c'est toi? Vous me reconnaissez? Est-ce qu'une mère oublierait son enfant? Vous êtes ma mère? Ma mère Andromède? Tu es partie un jour dessous mes jupons. Un petit caillou curieux à la recherche d'aventures. Un trait d'espoir dans le ciel des hommes, capable de transformer.